Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode 2 Star Wars Battlefront. Donc on a potentiellement une nouvelle map dans l'attaque des marcheurs, du coup on va y aller. On en profite. Hop, moi j'en profite pour donner un nom au précédent épisode que j'ai tourné. On a personne dans l'attaque des marcheurs, c'est génial. Mode de la loose. Ok. Il y a vraiment personne en attaque des marcheurs, hein. C'est d'une violence. D'accord. En attente de 29 joueurs. Partie trouvée. Ah bah oui, c'est sûr qu'elle est trouvée la partie. Ok, c'est cool. Je sais pas. Escarmouche, il y a du monde. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Ok. Ça pue quand même un peu du cul. Suprématie peut-être. Non, il n'y a personne non plus. Ok, c'est cool. On retente une attaque des marcheurs. Alors c'est drôle parce que techniquement la bataille de Jakku est disponible uniquement pour ceux qui ont précommandé le jeu. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas précommandé le jeu, soit ils ne jouent pas, qui serait violent, soit passage aux parties vides. Ah, c'est cool. Et si je vais là, je trouve une partie en 10 secondes non plus. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourtant je suis bien connecté. Ah non, il y a juste personne qui joue au jeu. Bon, moi je vais faire une pause 5 minutes, hein. Je vais boire un coup. Heureux, chers amis, alors on a potentiellement trouvé une partie de, comment, de l'attaque des marcheurs à 15 contre 15, c'est violent. C'était censé être le mode... Ah bah tiens, ça tombe bien. C'était censé être le mode phare. Le mode phare du jeu est... Grosse déception. Hein. On va regarder aux prochaines parties, j'espère qu'il y aura plus de joueurs. Je l'espère vraiment. Alors je suis un rebelle, par conséquent un blaster à corps... Quoique, on peut y aller, on peut aller voir avec ça. Ah merde, il me faudrait par contre... J'ai été con. Ah, j'ai été tellement con, il m'aurait fallu un anti-véhicule. Main. Et je suis baisé. C'est pas grave. Activez les liaisons, dépêchez-vous. Au travail, on a activé la liaison. Le commandant Solo vient d'arriver. Aucun marchand ne doit atteindre la base. C'est... Elle doit être dure à stopper celle-là, hein, quand même. Y-Wing vise le marcheur. Oh, bah c'est distancé, elle aurait dû être one shot. T'es pas sérieux? Bon. Cessons de faire mine d'être concentré. Cessons de faire mine d'être concentré. Oh, ça c'est un truc qui me plaît, ça. Hop, parce que j'ai vu le marcheur là-bas. Escadron rouge, répondez. X-Wing demandé en renfort. Alors, à la souris, ça va être catastrophique. Rouge 5, en attente. Thank you.
Hop. On va faire quelques passages comme ça. BBTT verrouillé par notre Y. Hop. Ah bah oui, mais je l'ai pas vu. Je l'avais même pas vu. Je regardais le sol en me disant où est-ce que je vais tirer. Mais c'est pas grave. Allons-y, mon pote. Ok. What? Mais comment il m'a tiré dessus? Qu'on m'explique. Il me regarde même pas. Ok. Salut Anne. Le marcheur est dans le viseur de notre bombardier. Oh what? Putain! Pile au moment où je suis, en fait il était là, il venait me voir quoi. Merde! C'est saoulant. What? Oh putain! Mais il est nul ce flingue en fait. Je sens que je vais en chier à aller faire mes kills avec ce truc là. D'accord, en cas de recharge. What? Oh putain! Je déteste ça! Et taillot. Moi j'y vais au cac. Au cac, madame. Tiens, bouffe. Voilà. Hop! Oh cac, ma petite dame! Merde! Concentrez vos attaques sur le marcheur. Bah, c'est ce que je fais! Il ne va pas rester vulnérable très longtemps. D'après les capteurs, le bouclier du TBTT est endommagé. Continuez à tirer. Hop! Dommage. Vous voyez que là il va me voir. Station de liaison disponible. Dépêchez-vous, allez.
vaisseau est prêt à vous venir en aide. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Je me la suis prise en pleine tête et je crois que je m'en suis pris qu'une seule. Oh, une Twi'lek. Bonjour. Tu veux que je la prenne? What, il était où? Oh la vache, je l'avais pas vu. Ah oui, d'accord, c'était Boba Fett. Je l'avais pas vu du tout. Je l'avais complètement perdu de vue. Bien joué. Station de liaison opérationnelle. Il va revenir. What? Ils sont derrière nous, bande de nazes! Boum! C'était gros comme un camion. Du coup, vu qu'on défend des points qui sont assez proches, est-ce qu'on peut retenter le coup du blaster de choc? Ouais, alors là, c'est un petit peu gros con. Système de visée du Y-Wing verrouillé. Je vais toucher! Trop une espèce de bruit de sabre tout le temps, c'est bizarre. Oh, bien joué! Salaud, j'avais même pas vu. Putain. Oh, je suis mauvais. Je suis tellement mauvais. 3, 11, catastrophe. What? Le marcheur est vulnérable. Concentrez vos tirs sur lui. Ok. Ok, il doit pas te rester grand chose. Quoi? En plus, j'ai pas d'accès à ma souris, c'est chiant. Alors, ce qui se passe, chers amis, pour la blague, ce que je vous dis, c'est que j'ai tout le matériel d'Elite Dangerous qui est posé actuellement. Le marcheur est dans un état critique. Bam, comme ça c'est clair. Dans mon dos, je viens de pop là où il est actuellement, mais c'est pas grave. Le marcheur est désactivé. Détruisez-le. Ça va être chaud. De liaison indiquée sur la carte. Rendez-vous sur place. Ça va être très très chaud si on veut le buter. On aura peut-être même déjà dû les activer. Hop. Bla. Putain de tourelle anti-infanterie, sont déjà dessus. C'est mort, c'est fini, on a perdu. Attention, Stormtrooper. Allez, putain, mais c'est pas possible. Bon, bah je l'ai eu. J'espère. J'ai pas eu le truc de destruction de... Ça m'intrigue. La station de liaison a été activée. Thank you.
verrouillé. Ok. On va le camper, c'est pas grave, on va faire comme dans l'attaque des marcheurs normale. TBTT verrouillé par notre Y-Wing. On a plus qu'à prier pour que ça marche pas, on va y arriver. Boum chakala Boum chakala. Boum chakala. J'en chie même à le dire. Je les vois même pas les ennemis. Ah si, je les vois. Là, voilà. Ça, c'est fait. La zone est dégagée. Pauvre homme. Femme. Chose. Oh! Putain de lapin! S'il y a un truc que j'étais dans les FPS, c'est ceux qui sautent pour esquiver les balles. La séquence de verrouillage des Y-Wing est hors ligne. On doit réactiver la liaison. Skywalker est dans le secteur pour nous épauler. Allez, en avant! Liaison activée. Hop. Je placerai en dernier recours. Mais ils sont pas derrière moi. Regardez le TBTT ou enfin le, oui le TBTT pour voir s'il va pas D'après nos renseignements, le chasseur de prime Boba. Oh, pourquoi t'es pas mort? Ça, pourquoi il a pris 0 point de vie? La mec elle a sauté sur la grenade, elle a sauté sur le mec qui était devant lui. What the fuck? Mais non. What? Ouais, ça va être juste. Hein. Putain, ils l'ont eu. Les malades mentaux. Ah bah dis donc, c'est pas moi qui ai fait gagner la partie, hein. Oh nom de Dieu. Oh la gueule. Ce TBTT est en position. Non, non, ce TBTT n'est pas en position. Oh le jeu qui en chie même. Oh la gueule. Hop. Hop. Voilà.
500 misérables petits crédits, c'est pathétique. Alors, oh bah tiens, on va la faire aussi, celle-là. Alors, est-ce qu'on l'a fait dans cette partie? 25 éliminations au fusil longue portée. Je l'ai fait, ça. Enfin, je l'ai commencé. Le fusil longue portée, on est d'accord, c'est celui-là. Bon, c'est bizarre. Non, je vais pas la jouer sans grenade, ça serait un petit peu... être un malade mental. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est en main secondaire, enlever ça et mettre la tourelle ionique pour les pour leur tourelle, justement. Hop. Allons-y. En attente de joueurs. D'accord, oui, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux du tout. Et B. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à l'épisode tout de suite? Ah, ça m'ennuie de mettre fin à l'épisode tout de suite. Puis 20 joueurs, c'est pas suffisant, hein. Ah, puis ça tourne autour des 20. Hop, on va quitter, on va essayer d'en chercher une un peu plus complète. Hop. C'est pas grave. L'attaque des marcheurs. Est-ce qu'on a une des parties presque complète? 80%. Oh putain. Mais où sont tous les joueurs? Alors, juste pour voir, on va faire un test. Si je pars en jeu principal. Donc, jeu principal, c'est la, le jeu sans les DLC. Hein. Non inclus dans la roue des cartes actuelles, d'accord. Donc, si je veux faire une attaque des marcheurs, il n'y a vraiment personne. Putain, mais il est... pratiquement 11h du matin. Vous devriez être réveillés, les gars, là. C'est bien qu'on n'est pas en vacances, mais quand même. Ah non, ça veut pas. Hein. Bon, bah, est-ce qu'on va essayer une escarmouche? Une dernière petite escarmouche, peut-être? Ah, l'escarmouche, ça passe. On y va. Caverne des glaces, c'est pas ma préférée, mais bon. Allez! Hop! Alors si jamais j'arrive sur une partie qui est déjà pratiquement terminée, ça va chier. Oh putain. Vraiment, on la gagne. Pourquoi je peux pas? D'accord, mon pote m'a lâché. Putain! Ah, il doit être en mode silencieux comme moi, enfin en mode ouais, en mode ninja quoi. Oh, ça m'a tué. What? Gah. Oh mais what? Cadence de tir de merde! Putain, ça me saoule! Oui, on a gagné, ouais, je sais, j'ai bien compris.
Apparemment, le DL-44 est pas du tout apprécié. Je vois Noob Gun partout. Par contre, on va s'en faire une deuxième, vous inquiétez pas. Parce que bon, on arrive à 15% de la partie restante, donc bon, c'est naze. On verra bien ce que ça donne. Par contre, s'il y a déjà autant de rage dans le jeu, ça va être violent. Alors, réussir 25 éliminations. Alors, je vais le virer parce que je le sens pas. Je le sens bugué bizarrement. Obtenir 5000 points, d'accord. Ça, falloir que je le fasse aussi. Même si ça fait que 200, ça fait toujours un truc en plus. Ça va très très vite à faire. En deux parties, c'est fini. Vous savez quoi, on va le faire dans le prochain épisode, je pense. Ça, les 40 éliminations d'escadron, on va le faire au prochain épisode. Hop. La partie a commencé. Là-dedans, moi, je vais prendre ça. Parfait. Ah, putain, c'est chiant, leur truc début de match, là. Il n'y avait pas ça avant. Le Millennium Falcon. Ah, bien joué. Je sais pas pourquoi je suis monté là avec une arme de corps à corps en fait, faut me comprendre. On y retourne, mais... Oh non, on y retourne pas, on va aller bourrer dans les couloirs. What? Putain! Vas-y, kill avec cette arme. Pour passer plus vite. Bien sûr. Le tour de la map, c'est cool. Hop là, ça c'est fait. Ah, oh, bien joué. DL-44, c'est ça l'arme de noob alors. Ok, bon à savoir. Une arme de Noom qu'il faut atteindre le niveau 40, je crois, pour avoir. Hein. Ou 35. 35, je crois. Enfin, je sais plus. J'aurais su, j'aurais pu vous le dire plus tôt, chers amis. Mais... Voilà. On va y aller en douceur, hein.
Oh putain! Unclean. À nous l'avantage. Ils sont partout, ces Stormtroopers, regardez, ils sont là où sont mes potes. Hop. Les impériaux nous repoussent. Ok. Donc en plus ils campent dans les coins. Hop. Hop. Ok. C'est clair qu'ils nous la mettent. Ok, je repop devant un ennemi. Mais putain, mais crève! Oh, nom de Dieu! Alors. Hop, les zéro dégâts. C'est génial. Je me mets à applaudir mes adversaires. Putain, mais crève! Hop! Oh! Putain, mais un poil de cul de vie! À nous l'avantage! Mais putain! À travers le mur. À travers le mur. Oh, ça me saoule. Dégage. Les impériaux ont subi des pertes considérables, autour de 75%. Ah mais nous aussi, donc bon, c'est pas la peine. Hop, on est mort. C'est fini. Bon, c'est pas grâce à moi non plus. Proteus, qui était dans l'équipe
adverse, je crois. Non, même pas. Bah non, dans la nôtre. On avait un cheater, mais on a quand même perdu. Par contre, ouais, je pense que s'ils peuvent pas nous supprimer le chat qui apparaît, falloir que je fasse quelque chose. Parce que franchement, le chat me saoule. Mais enfin bon. Bref! Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et hop. Et crac.